bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ça va, c'est 3 minutes pour la prière, que Dieu vous bénisse. Nzambe, Yakondi Mananga. Alléluia. Nzambe, Yakondi Mananga. Wapio. Zambe, Yakondi Mananga. Bien, mais ça reste 3 minutes de la prière. Pasteur Zulu, que Dieu vous bénisse, mon frère. En direct de Clermont-Ferrand, en France, que Dieu vous bénisse. Ça reste 2 minutes pour la prière. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. On va clôturer notre prière aujourd'hui et puis on va proclamer le thème de l'année. Merci, mon pasteur. Je suis en train de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé. Merci, l'homme de Dieu, le pasteur Francisco Alvaro Zulu, en direct de Clermont-Ferrand, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon pasteur, avec toute la famille, avec l'église. Parole de vie. Et, oh, on a encore l'espoir parce qu'on vit. On a encore l'espoir, on va terminer l'année 2019-20. On a encore l'espoir, mon pasteur Zulu Alvaro. Merci, Dieu, de partager cela. Que Dieu vous comble encore davantage. Dieu soit loué. Alléluia. Dieu, merci. Mais ça reste 1 minute pour commencer la prière. Jésus, merci pour ton sang nous couvre, ton sang nous purifie, Seigneur. Merci, Jésus. Louvoiseau, en dehors de Kinshasa, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Sois connecté, on va prier. Sois connecté, on va prier. C'est le dernier jour de la prière. Chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité. Merci Saint-Esprit. Merci, tu es là Seigneur, tu es là. Merci parce que tu es là Dieu. Merci parce que tu es là, tenté de nous couvrir par ton sang. Merci parce que tu ne laisseras jamais, Seigneur. Mais on est tenté de parler de la reconnaissance. Nous nous sommes reconnaissants, c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes reconnaissants, bien-aimés, nous sommes là. Parce qu'on reconnaît si nous sommes là. Que Dieu vous bénisse.
de savoir que vous êtes nombreux. Ça reste quelques minutes pour la prière. On va prier, bien-aimé. Merci, Saint-Esprit. Tu es en train de disposer des familles, des vies, tout compris ensemble. Dieu soit loué. Saint-Esprit, merci. Merci Dieu, merci Jésus. L'amour, témaï, alléluia. On a besoin de voir 2021, Seigneur, par ta grâce, oh Dieu. Yes. Alléluia. Oh Jésus. On a besoin de voir ta gloire, Seigneur. À travers les jours qui restent, oh Dieu. Malgré les hauts et les bas, tu n'as point changé. Alléluia. Bien-aimé, commence à partager la vidéo. Aujourd'hui, ces derniers jours, on est patient pour entendre d'autres personnes qui vont se connecter. Partagez déjà la vidéo. On va commencer bientôt la prière. Alléluia. Dieu sera au rendez-vous. Juste ces derniers jours. Bien-aimé, je dis hier qu'on va prier pour les malades, pour des cas. Pour des gens, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport au sujet des prières. On va prier sérieusement aujourd'hui pour déclencher des choses afin que 2020 se termine en beauté. Et puis, on va proclamer les thèmes de l'année 2021. Oh, Dieu soit loué. Alléluia. Maggie, ma sœur Maggie Balaka, André de Kinshasa, président de la communauté, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble davantage, que Dieu essuie tes larmes. Alléluia. Que Dieu se souvienne de vous. Saint-Esprit, merci. Malgré les noirs dans nos vies, malgré les choses ne semblent pas aller, mais tu es au contrôle, Jésus. Alléluia. Même si la force est finie, même si on est au bout, tu es toujours là, tu es toujours là. Je crois toujours que tu es là. Je crois toujours que tu peux faire encore, parce qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, merci car tu es tenté de disposer beaucoup de monde, vous compris ensemble. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Même si jusqu'à présent tu n'as rien vu, ma sœur, mon frère, crois seulement avant que ces 3 jours, ces 7 jours qui restent, Dieu va agir. Alléluia. Le Dieu des surprises agréables va agir. Il est là. Il va surprendre quelqu'un et le reste des jours qui restent. Laisse que mon Dieu te surprend. Alléluia. Dans les 7 jours qui restent, laisse que mon Dieu te surprend. Je crois en Dieu puissant. Alléluia. Dieu des surprises agréables. Il m'a promis l'année 2020, l'année des surprises agréables. Dieu va te surprendre brutalement. Pas pour le jour qui reste, ma sœur, mon frère. Ma sœur Maggie Malaka, l'année de Kinshasa, Tsele. Dieu de la Bible va te surprendre dans les 7 jours qui restent. Et brutalement. Alléluia. Mon pasteur Zulu, Alvaro, Francisco, le Dieu de la Bible était comble encore davantage, mon pasteur. Oh, j'ai connu des serviteurs, humbles serviteurs que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble encore davantage. Je côtoie des serviteurs de Dieu. Non, il y a quelque chose de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon pasteur. Alléluia.
Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Mais bientôt on va commencer notre programme. Alléluia. Comme c'est le dernier jour, on est là à la présence de Dieu. On est là bien aimé pour les prier, pour les supplier. Jésus. Oh, Christo Madiata, que Dieu vous bénisse, Seigneur de Luanda. Ma sœur Lydie, en dehors des États-Unis, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maman Christelle, en dehors des États-Unis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble encore davantage de l'huile d'onction pour annoncer la bonne nouvelle. Magui Malaka, que Dieu vous bénisse. En direct de Kinshasa, précisément dans la commune de Ntsele, Dieu va te surprendre. Partagez la vidéo. Dieu va te surprendre brutalement parce que c'est l'année des si plus agréables. Que Dieu vous bénisse. Prends le moment de la prière, ma sœur. Dieu, rendez-vous. On va commencer bientôt la prière. Alléluia. Alléluia. Partagez la vidéo, ma sœur. Oh, Serge Ebe, André de Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Médard, à partir du Mali, précisément au Bamako, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble encore davantage. Béger Patrice avec toute l'équipe, que Dieu vous bénisse au Mali, à travers les lèvres que vous êtes en train de faire. Bon, mesdames, ça c'est une minute, on va commencer la prière. Je pense que vous êtes déjà là. Ça c'est une minute, sois concentré. On va commencer la prière. On va commencer. Dieu soit loué. Yes. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Ma sœur Fimaliata, que Dieu vous bénisse. Mimi, ma sœur Mimi, à Evry, que Dieu vous bénisse. Congolo, en direct de Francoville, en France, que Dieu vous bénisse. Paris. Tchakala. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Wivine Pontoise, que Dieu vous comble encore davantage. Ginette à Lyon, ma fille Ginette à Lyon, que Dieu vous bénisse. Bien aimé, bien, on est à la présence de Dieu, on va commencer la prière. Fermons les yeux pour prier. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, car tu es Dieu. Merci pour ton amour. Père, tu nous as promis des signes de prodiges pendant ces 3 jours. Père, j'ai écouté les témoignages. Mais aujourd'hui, c'est le 3e jour de la prière. Chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Père, sois au contrôle de toutes choses et sois à l'œuvre. Dans le nom tout puissant de Jésus, Saint-Esprit, commence à localiser des familles maintenant. Afin que Père de voir tout esprit soit captif et obéissant par rapport à ta parole. Dans les noms glorieux de ton fils Jésus-Christ, qui était mort et resté le 3e jour. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. En passant, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à travers de son serviteur, mon coach mentor, le révérend Placide Moa, en dehors des États-Unis à Portland. Que Dieu vous bénisse, mon Père. Que Dieu vous bénisse et je bénis toute l'église. Parole de vie à Clermont-Ferrand, à travers de cet ange de cette église. Le pasteur Francisco Alvaro Zulu, que Dieu vous bénisse avec toute l'église. Je vois mes frères et sœurs là-bas, que Dieu vous comble encore davantage. Je bénis Dieu par rapport à la vie de son serviteur. Et je bénis tous les peuples de Dieu, les peuples de la réforme dans tous les coins du monde. Même vous allez nous souvenir de la rédiffusion, que Dieu vous comble encore davantage. Et en particulier les peuples de Dieu au Mali. Béger Patrice avec toute l'équipe, que Dieu vous bénisse à Bamako.
par rapport à l'œuvre que vous êtes en train de faire. Maman Jeannette, que Dieu vous bénisse. Saint Patricien, que Dieu vous bénisse. Avec tous les frères et sœurs, que Dieu vous comble encore davantage pour cette tâche que vous êtes en train de faire. Nous, tes jours, d'être là pour l'œuvre de Dieu. Dieu soit loué. Eh bien, 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 bien aimé, on va lire d'abord la parole de Dieu aujourd'hui. Bien aimé, on sera tellement compte parce qu'on aura le moment de la prière. Hier, bien aimé, on a parlé des choses très importantes. On a vu la Bible. Louvrezo, André de Kinshasa, ma sœur Louvrezo, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous, on va commencer la prière. Hier, on a lu la Bible, des livres de Proverbes chapitre 3, verset 6. Bien aimé, là on a vu des choses très importantes. C'est que Dieu veut de nous. Et on a parlé de ça, c'est la reconnaissance toujours. Et Dieu était au rendez-vous. Et maintenant, bien aimé, aujourd'hui c'est le dernier jour. On va prendre nos Bibles directement. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode chapitre 4. Et pardon, Deutéronome plutôt, pardon. Désolé. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 35. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare: tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Alléluia. Et je répète la parole de Dieu. J'aime ça. La Bible déclare: tu as été témoin. Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en aura point d'autre. Alléluia. Bien, mais cette parole est trop forte. La parole est tellement forte. La Bible déclare: le peuple d'Israël, ils étaient témoins des produits, des signes de la protection de Dieu. C'est pour cela. Il doit être reconnaissant à Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais aujourd'hui, les peuples d'Israël ne sont pas là. C'est nous qui sommes là. Mais par rapport à toutes les choses que tu as vues dans 2020, tu étais témoin de tout ce que. Des choses que tu as passées. Peut-être que il y avait des choses que tu n'as pas voulu. C'est arrivé en 2020. Peut-être même tu as vu la main de Dieu d'une manière ou d'une autre. Tu étais témoin de toutes ces choses. Et puis ce qui est, même ce qui a bouleversé l'humanité, cette année 2020, même c'est le problème du COVID-19. Tu étais témoin. Comment beaucoup ont perdu la vie. Comment on était confinés. Mais Dieu, par sa souveraineté, par ta bonté, Dieu nous a fait grâce, bien aimé. Arrête tout, comme on est en train de parler de la reconnaissance. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas être reconnaissant? C'est Dieu. Parce que Dieu nous a fait du bien. Il nous a protégés. Mais cette année même, l'année de COVID-19, l'année 2020, il y a des gens qui s'est mariés. Il y a des gens qui cherchaient des enfants, qui ont eu des enfants. Il y a des gens qui ont acheté des maisons. Il y a des gens bien aimés qui ont fait beaucoup de grandes choses, des réalisations. Cette année 2020, l'année même 2020, l'année même 2020, il y a beaucoup qui ont pleuré cette année 2020. Mais l'année n'a pas encore fini. Alléluia. Ce qui est important, même je vais t'assurer, l'année n'a pas encore fini. Comme tu es encore en vie, Dieu n'a pas fini à travailler dans ta vie. Dieu n'a pas fini avec toi. Malgré toutes ces choses, ça a bouleversé même l'économie mondiale. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Tu as peur de quoi? De 7 jours qui restent. Dieu peut faire encore. Il va faire encore. C'est l'année, n'oublie pas que c'est l'année des surprises agréables. Dieu a permis ces choses-là pour que nous qu'on soit témoins. Arrête tout. Qu'on soit reconnaissant. Ma sœur, mon frère, c'est que Dieu veut de nous. Comme on est témoin de ces choses. Comment tout s'est passé dans notre vie, dans notre communauté, dans notre entourage, dans nos églises locales, dans mon ministère, dans ton ministère. Il y avait des bousculades par-ci, par-là.
Mais une chose très importante, Dieu était toujours avec nous. Comme il nous a promis, il nous abandonnera jamais. Et si le peuple d'Israël, la Bible déclare, vous étiez rendus témoins de ces choses. Et nous, on était témoins de cette année 2020. Parce qu'on est en vie. Alléluia. Dieu nous a gardés en vie. On a vu toutes les choses dans l'année 2020. On a vu des choses qu'on ne s'attendait pas à ça. On a vu des choses qu'on n'a jamais vues. Si c'était des humains. Des morts par-ci, par-là. Il y avait la paix, la terreur partout. Dans les coins du monde, on a vu cela. On est témoin de ces choses. Alléluia. On est témoin de ces choses, mon frère, ma sœur. C'est pour cela, on doit être reconnaissant. On doit être reconnaissant par rapport à ça. On doit être reconnaissant, ma sœur, mon frère. Comment on peut être grand à ce niveau? On a vu des morts par-ci, par-là. Nos proches ont perdu la vie à cause de cette pandémie, à cause de COVID-19. On a vu comment le monde était paralysé. Mais nous sommes témoins. Alléluia. Nous sommes témoins de ce qui s'est passé cette année. Mais arrête tout, bien-aimé. Qu'on doit être reconnaissant. Si moi je suis protégé, si ma famille est protégée, si mes proches sont encore là, malgré qu'on a perdu beaucoup de proches, par-ci, par-là, dans nos communautés. Mais si nous sommes encore là, nous sommes témoins. Arrête tout ce que Dieu nous demande d'être reconnaissant. Arrête tout, Dieu nous demande d'être reconnaissant, ma soeur, mon frère. Et c'est très important. C'est une phase trop capitale pour la vie chrétienne de l'Église aussi. Qu'on doit être reconnaissant en Dieu. Arrête tout. C'est là où on a vu dans la Bible les premiers jours des livres de Hébreux chapitre 12, verset 28. Par là maintenant, on peut faire un quitterré raisonnable. Parce que nous sommes dans le royaume. Pour faire un quitterré raisonnable, pour être à côté de Dieu, pour prier, pour demander à Dieu. La chose qui est importante, il faut bien aimer de reconnaître Dieu. Et tant que dans ce royaume, quand tu reconnais Dieu, par là maintenant, tu dois expérimenter la main puissante de Dieu. La reconnaissance. Mais c'est notre gratitude. Ça démontre aussi notre foi par rapport à la parole de Dieu. Notre gratitude. Et c'est très important. La reconnaissance. Bébé, sois reconnaissant à Dieu. Parce que sois reconnaissant. Dieu t'a protégé, Dieu t'a donné mariage, Dieu a gardé tes enfants, Dieu a gardé tes proches. Tu manquais l'emploi, Dieu t'a donné l'emploi. Même si jusqu'à présent tu n'as pas encore réussi l'emploi. Même si jusqu'à présent, bien aimé, tout est par terre. Sois reconnaissant quand même parce que tu as le souffle de vie. Sois reconnaissant, bien aimé. Tu as la santé. Beaucoup, bien aimé, ils n'ont pas la santé que nous avons. Beaucoup sont tombés malades brusquement. Pourquoi ils ont eu des accidents, des morts subites, des morts arbitrages. Mais si Dieu te protège jusqu'à ces jours, tu es témoin de la bonne santé que Dieu te donne, des souffles de vie. Sois reconnaissant, bien-aimé. Sois reconnaissant, Église de Dieu. On doit être reconnaissant l'année 2020. L'Église de Dieu doit être reconnaissant à Dieu. Parce que Dieu a protégé son Église malgré le confinement. Malgré toutes ces choses, malgré les mesures que le gouvernement de ce monde ont prises. Mais l'Église, on doit être reconnaissant. Parce que Dieu nous a protégés. Dieu a gardé son Église intacte. Malgré tout, Dieu était toujours là. Au moment du confinement, on priait de la maison. Mais Dieu était toujours là. La Bible déclare, il est le maître de terre de toutes les circonstances. Il est le maître de terre de toutes les circonstances. Nous sommes témoins des circonstances de cette année 2020. Nous sommes témoins, on doit être reconnaissant. Mais la reconnaissance,
Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Dieu aime que ses enfants soient reconnaissants. Dieu aime que son église soit reconnaissant. C'est très important. La reconnaissance. D'abord, la reconnaissance bien aimée réservée à Dieu d'abord. Si tu n'es pas reconnaissant bien vers Dieu, bien aimé, tu ne peux pas être reconnaissant vers ton prochain. La personne t'a accueilli dans sa maison. Il faut être reconnaissant pour dire seulement merci. Malgré qu'il peut avoir toutes les choses du monde, mais il faut être reconnaissant. La personne t'a accueilli. Il faut dire merci, il faut être reconnaissant. La personne t'a donné même un gobelet, verre d'eau. Il faut être reconnaissant parce que tu as bu d'eau. Il faut être reconnaissant. La personne t'a montré une direction. La personne t'a orienté. Il faut être reconnaissant. Les enfants, il faut être reconnaissant avec les parents. Les parents, il faut être reconnaissant avec les enfants. L'année va s'achever. Les enfants vont dire, papa, j'étais reconnaissant parce que tu étais un bon père. Maman, je suis reconnaissant. C'est très important. Mari, femme, c'est pareil. Dans le couple, c'est pareil. Dans la famille, c'est pareil. Dans la communauté, c'est pareil. Dans les fiançailles, c'est pareil. Il faut être reconnaissant les uns les autres. Et en retour, il faut être reconnaissant envers Dieu pour les rendre grâce. Yeah, bonsoir, maman. Pour les rendre grâce. Yeah, pour les rendre grâce. Pour les rendre grâce. Pour les rendre grâce, bien aimé. C'est pour ça que nous sommes là. Pour dire, Seigneur, nous n'avons personne. Si ce n'est pas toi, tu étais bénézé cette année 2020. Jusque là, tu continues à nous protéger. Et nous croyons. On va achever l'année 2020. Et on va voir 2021. On ira, on mangera le fruit. Alléluia. Alléluia. Non, toi, tu... Non, nous, nous... Yeah, bonsoir, maman. Non, je vivrai. Tu vas vivre. On va vivre. Pour expérimenter les choses de Dieu dans l'année 2021. C'est pour cela, mais avant que l'année finisse, avant que l'année se termine, il faut être reconnaissant à Dieu. Et c'est très important. C'est ce que Dieu nous demande, d'être reconnaissant. Et c'est très important que Dieu vous bénisse. De savoir que vous êtes nombreux, vous êtes en train de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Kiana, que Dieu vous bénisse. Rien de Montréal, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Bien-aimé, la reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance. On était témoins de ces choses. Bébé, tu étais témoin. Moi, j'étais témoin. Arrête tout, bien-aimé. On doit te reconnaissant pour dire seulement Seigneur, mais merci. Pour dire seulement Seigneur, merci. Dis merci au Seigneur. Mais maintenant, on va prier. Si tu es là, si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est par sa grâce. Tu dois être reconnaissant. L'Église doit être reconnaissant. Si on est ce qu'on est aujourd'hui, on doit être reconnaissant. Au lieu de reconnaissant, c'est Dieu. C'est pas par rapport à mes efforts, non. C'est Dieu qui nous a protégés. C'est pour ça qu'on va prier. Fermons nos yeux, bénis-moi, on va prier. Commence à dire Seigneur merci pour ces hauts bienfaits. Commence à dire Seigneur merci parce que tu étais témoin des choses qui s'est passées à l'an 2020. Dis Seigneur merci pour toutes choses. Parce qu'il est le maître, il était des circonstances. La Bible déclare. Rien ne peut arriver si les dieux de la Bible n'ordonnent pas. Tout ce qui est arrivé à cette année 2020, l'année 2020, Dieu a permis cela. Commence à dire Seigneur merci pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour la vie de tes proches. Peut-être ce que Dieu t'a délégué, tu n'as pas encore vu. Dis Seigneur merci d'abord. Sois reconnaissant. Dis Seigneur merci. Prie Alléluia. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci parce qu'on a vu Père de gloire. Comment tu as traversé avec nous l'année 2020, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, oh Dieu. Nous sommes reconnaissants, Seigneur.
Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce qu'on a vu comment tu as traversé avec nous l'année 2020, Seigneur, jusqu'aujourd'hui tu es Ebenezer. Nous nous sommes reconnaissants. Ton église reconnaît tout Pédro. Ton église est en train de reconnaître que c'est toi, Seigneur. Il n'y a personne d'autre si ce n'est pas toi, Jésus. Alléluia. Si nous sommes en vie, Seigneur, c'est par toi, c'est par ta grâce, oh Dieu. Si nous sommes là, c'est par ta grâce, oh Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, oh Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te levons. Nous te levons. On était témoins. On était témoins. Moi, j'étais témoin. Je suis le rescapé de ton amour pour ce 2020. Père de gloire, pourquoi on fait des accidents, des morts, Père de gloire? Mais tu m'as protégé. Je passais par là, mais tu m'as protégé. Alléluia. Tu m'as gardé avec toute la famille. Ah, malgré le haut, les bas. Malgré le haut, les bas. Tu es toujours Seigneur. Et tu resteras Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Nous te disons merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, ma soeur, mon frère. Dis merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à l'élever. Commence à l'exalter. Commence à le magnifier. Dis, Seigneur, sans toi, je ne fais rien. C'est pour ça que je t'élève. Mais quand tu vas élever le Fils de l'homme dans ta vie, par rapport à ton problème, par rapport à ta situation, tu sauras de quoi il est capable. Il est capable de payer tout notre Dieu. Il paie tout notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a point changé. Alléluia. Alléluia. Oh, rekeya mala sekeya baba. Rosetta kana maikoria balage. Alléluia. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons, nous te couronnons, nous te couronnons, Père de gloire. Pendant ces trois jours, tu m'as promis des signes, tu m'as promis des prodiges. Je suis reconnaissant, Père de gloire. Ce que tu es en train de faire, Père de gloire, depuis les premiers jours, tu es en train d'accomplir des choses dans la vie de ton peuple. Partout de quoi ni moi, même de la rediffusion, ton peuple est en train de témoigner parce que tu as parlé et tu as commencé à agir. Oh Dieu de la Bible, tu n'as pas changé, tu n'es pas un fils de l'homme pour repentir, ni un homme pour mentir. Alléluia. Alléluia, ta parole est oui et amen. Nous t'élevons, nous te couronnons. Il y a prier, prier, prier. Élève ton Dieu, élève ton Dieu. Dis Seigneur merci, dis Seigneur merci, dis Seigneur merci. Pour l'année 2020, dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Commence à prier, mes amis. Commence à prier, dis Seigneur merci. Pour l'année 2020, dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Alléluia, alléluia. Seigneur merci. Tata Matono, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Alléluia. Bien-aimé, va prier maintenant. Je dis, Seigneur, ta grâce me suffit. La Bible déclare, là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Dis, Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis témoin par rapport à ces choses, par rapport à la chose que tu as fait dans ma vie. C'est pour cela que je dis, Seigneur, ta grâce me suffit. Et laisse que ta grâce puisse s'y abonner dans ma vie, dans mon ministère, dans mon église, dans mon entourage, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans mes activités, dans mes projets, dans mon travail. Ta grâce me suffit. Puis alléluia. Ô Père éternel, tu dis à ta parole, là où le péché abondait, la grâce a s'y abondé. Et pas ta grâce dans la vie de ton peuple. Et pas ta grâce dans la vie de ton peuple. Et par ta grâce dans la vie de ton peuple, Seigneur, nous te prions, oh Dieu. Nous te prions, oh Dieu. Nous te supplions, Seigneur. Oh, ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Ta grâce suffit dans la vie de ton peuple. Ta grâce suffit, Père de gloire. Ta grâce suffit à tes amis. Ta grâce, Seigneur. Même s'il faut me suivre dans la rediffusion, ta grâce nous suffit, Seigneur. Dans toutes les plateformes. Que ce soit Zoom, Père de gloire. Que ce soit sur YouTube, Seigneur. Que ce soit Instagram, Seigneur. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit, oh Dieu. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Oh Dieu de la Bible. Oh grand Dieu de la Bible. Oh grand Elohim de la Bible. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta grâce nous suffit, Père éternel. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Malgré les hauts, les bas. Malgré les choses, on était témoins, Seigneur. Malgré les choses, Père de moi, qui fait. Ce qui s'est arrivé, on était témoins, Seigneur. On était témoins, Seigneur. On est des rescapés de ton amour. Alléluia. Oh Dieu de la Bible, commence à agir, Père de gloire. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta grâce nous suffit. Dans la vie de ma sœur, dans la vie de ma sœur, Maggie, Père de gloire, Malaka, en direct de Kinshasa, que Dieu ta grâce. Ta grâce, oh Dieu. Ta grâce dans la vie de Fimadiata, de Chrysomuno qui Père de gloire, Chrysomadiata en Angola. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce nous suffit.
dans ton église, cité de l'Éternel. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Dans les noms tout puissants de Jésus. Dans les noms tout puissants de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Agis constamment. Agis constamment. Car tu es le véritable Dieu. Dans les noms tout puissants de Jésus. Ainsi nous avons prié. Alléluia. Mais on va prier maintenant. La demander maintenant l'Esprit de Dieu. Dieu peut te combler. L'Esprit peut t'orienter. Mais car sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Il y a soit concentré. Commence à prier. Implore la puissance de l'Esprit de Dieu. Peut-être même tu es fatigué à cause de tout ce qui s'est passé, à cause de ce que tu as vu, à cause de même. Des choses que tu attendais pas dans ta vie, mais tu es fatigué. Même dans ta maison, tu n'arrives pas à prier même deux minutes. Tu n'arrives pas, tu as abandonné tout. Tu as dit non, j'abandonne, bien-aimé. Je te promets, je te dis, bien-aimé, il y a encore des espoirs pour toi. Demande l'Esprit de Dieu. Dieu peut se relever encore. Dieu peut te donner une nouvelle force, souffle divine, nouvelle souffle, afin que, bien-aimé, le chemin encore long, le chemin encore long. Demandez l'Esprit de Dieu pour t'aider à aller de l'avant. Peut-être tu as trébuché d'une manière ou d'une autre, bien-aimé. Demande l'Esprit de Dieu pour te renouveler encore, pour te renouveler encore, pour te donner la force d'un buffle et les ailes d'un aigle afin que tu voles encore plus loin pour son œuvre. Parce que Dieu n'a pas encore fini à travers dans ta vie. Dieu n'a pas encore fini avec tes enfants. Malgré la maladie, malgré des choses qui semblent parler, malgré des noirs, malgré tu vois rien. C'est comme si 2020 va finir comme ça. Tu ne vas voir rien. Dis Seigneur, je demande ta force. Renouvelle ta force. Renouvelle ta force. En moi, dis Saint-Esprit. Puis alléluia. Oh, l'ami de tous les temps, l'ami des lèvres, l'ami des lèvres, l'Esprit de Dieu, Père, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a accompagné mes patriarches, l'Esprit qui a accompagné mes patriarches dans lèvres, l'Esprit qui a accompagné mes pères, l'Esprit qui a accompagné mes pères, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'ami fidèle, l'ami fidèle. Oh, Rekanaya Manasekeya Baba, accompagne ton peuple, l'Esprit de Dieu, donne la force à ton peuple, donne la force au Dieu. Donne la force au Dieu, renouvelle encore la force Seigneur, 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 la vie de ton peuple, dans le nom tout puissant de Jésus, nous te prions, nous te supplions au Dieu, nous te supplions au Dieu, donne la force Père de gloire à tous ceux qui sont faibles, ils sont fatigués, ils voient que non, c'est comme si rien ne va marcher, rien ne va marcher, il y a toujours des noirs, malgré des calculs, ils étaient témoins de l'échec, qu'ils ont annulé, Père de gloire, pendant toute cette année, Père de gloire. Non plus j'avais dit que décembre, mais moi je crois, Père de gloire, tu peux les relever encore à travers de ton esprit. Cet esprit commence à localiser maintenant ton peuple. Commence à localiser maintenant ton peuple. Commence à localiser ma soeur. Commence à localiser mon frère. Comme ils sont fatigués, ton peuple est fatigué parce que la parole déclare, venez à moi, vous serez fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oh, le vrai repos c'est toi Christ Jésus, le vrai repos c'est tout dans ta parole. Alléluia, alléluia, Saint-Esprit, amène ton peuple dans le repos, amène ton peuple dans le repos. Alléluia, alléluia. Alléluia, je te prie, oh Dieu, je te prie, oh Dieu, Père de gloire, laisse que ton esprit commence à consoler beaucoup de familles. Ils étaient frappés par rapport à COVID-19, Seigneur. Oh, ils étaient affectés d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Nos églises étaient affectées d'une manière ou d'une autre. Je te prie, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, d'aller consoler les consolateurs. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Commence à consoler, commence à consoler, commence à consoler. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Esprit de notre Père, l'Esprit de notre Père, l'Esprit de notre Père, l'Esprit de notre Père, l'Esprit de notre Père. Commence à consoler, 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 commence à consoler les vies. Commence à consoler des vies. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, on va prier maintenant. On va prier maintenant. Bien-aimés, tu connais ton problème puisque moi, le serviteur. Tu connais, bien-aimés, la situation dans laquelle Dieu t'a fait passer. Mais bien-aimés, la chose que tu vas faire maintenant, la Bible déclare, jusque-là, vous n'avez rien demandé. Demandez. Afin que votre joie soit parfaite. Je te prie, bien-aimé. Expose maintenant ton cas à Dieu. Dis, Seigneur, papa, je suis là au devant de toi. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ton règne vienne. Et non ma volonté,
L'année va s'achever, l'année va terminer et non pas ma volonté, ta volonté puisse s'accomplir dans ma vie, dans mon ministère, dans la vie de ma famille, dans la vie de ton église, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon relation, dans la vie de mon fiançaille, dans la vie de mon couple. Que ta volonté, que ton règne vienne, Seigneur. Oui, alléluia. Oh Dieu de la Bible, je te prie, Seigneur. Je te prie pour ton peuple, Seigneur. À cet instant, Père, partout les soins des coins du monde, Seigneur. Je te prie, oh Dieu. Agis, papa. Agis, papa. Manifeste-toi constamment. Mais ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Pour tous les peuples et les paroles de vie. Je te prie, oh Dieu. Ta volonté. Que ton règne vienne, Seigneur. Oh Dieu. Tu connais la saison que nous on est en train de passer maintenant. À travers de ton église, Père, de la parole de vie. Père de gloire en France, Père de gloire Clément Ferrat. Oh Dieu, ta volonté, Seigneur. Orientez-nous, Père de gloire. Orientez-nous, Seigneur, à trouver un local pour toi, pour qu'on prie dans la tranquillité. Je te prie dans le nom de Jésus, Père de gloire, avant que l'année finisse, Seigneur. Avant que l'année finisse, Père de gloire, orientez-nous, 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 orientez-nous. Ouvre des chemins, Père de gloire. Oh, rencontrez-nous, Père de gloire, fais des nouvelles relations avec de nouvelles personnes, Père de gloire, pour nous orienter, pour prendre le local, Père de gloire. Dans le nom tout-puissant de Jésus, oh Dieu de la Bible, dans le nom de Jésus, je te prie, Père éternel, je te prie, oh Dieu. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Priez. Que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo. Alléluia. 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 Oh Dieu de la Bible. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Papa, ta volonté peut s'accomplir dans la vie de ma sœur Fifi Madieta, dans la vie de tous les enfants, dans la vie de son mari. Ta volonté, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, Père de gloire, dans son couple. Oh, je te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur, la vie de Chanez. Père de Wakinwani, ta volonté, oh Dieu, ta volonté, oh Dieu, ta volonté, oh Dieu. Papa, comment s'agir? Papa, comment s'agir? Papa, comment s'agir? Papa, comment s'agir? C'est dévoilé puissamment, c'est dévoilé puissamment dans les noms tout puissants de Jésus. Toutes les portes qui semblaient fermées, Père de gloire, laisse les portes vous s'ouvrir maintenant dans les noms tout puissants de Jésus. Dans la vie de ma sœur Fifi Madieta, dans la vie de son mari, dans la vie de ses enfants, dans la vie des enfants, Père de gloire, laisse les portes vous s'ouvrir, Seigneur. Laisse que les miracles puissent s'accomplir au nom tout puissant de Jésus. Papa, comment ça agit, Seigneur? Papa, comment ça se manifester dans le nom tout puissant de Jésus? Dans le nom tout puissant de Jésus, papa, agis. Élève ta main, oh Dieu. Élève ta main, oh Dieu. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main dans la vie, Père de gloire. Les familles qui pourrient, famille Madieta, famille Mwangwa, étends ta main, oh Dieu. Étends ta main, oh Dieu. Étends ta main, oh Dieu. Dans le nom tout puissant de Jésus. Dans le nom Colette Nzao, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre encore des portes, Colette Nzao. Que Dieu essuie tes larmes, Colette Nzao. Dans le nom tout puissant de Jésus. Que Dieu t'oriente encore davantage en dehors de Paris. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh Dieu, ouvre des portes. Ouvre, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Oh Rekana Yamanage. Rose Kanta Yamana. Blokarabaseke. Oh nom tout puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Maintenant, bien-aimé, je vais prier maintenant pour des cas. Je vais aller cas par cas. Bien-aimé, là où tu es, reste tranquille. Sois concentré. Même si tu vas me suivre dans la rédivision, mets seulement ta main droite dans la poitrine. Si tu es malade, mets ta main droite là où tu sens mal. Si tu es un membre de ta famille qui est malade partout dans le coin du monde, bien-aimé, mets ta main droite dans ta tête et le miracle est possible ce soir. Le miracle est possible ce matin. Bah, ça dépend de la lettre que tu as tenté de nous capter. Le miracle est possible. Si tu crois, c'est moi, tu verras la main de Dieu. On va prier maintenant. Je vais commencer cas par cas. Mais je sais que, je sais une chose. Dieu m'a promis chiffre 3, c'est chiffre de la résurrection. Toutes les choses qui étaient mortes dans votre vie, dans ta vie, ma sœur Fumadetta, toutes les choses qui semblaient parler, toutes les choses qui semblaient bloquer, ça va s'ouvrir maintenant dans les noms tout puissants de Jésus. Colette Nzaou,
toutes les choses qui semblaient noires, toutes les choses que tu ne voyais pas claires, Dieu va ouvrir maintenant. La lumière rentre dans ta vie maintenant. Dans le nom tout puissant de Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus. Laisse que les portes souffrent maintenant. Laisse que les portes souffrent maintenant. Dans le nom tout puissant de Jésus. Une vent nouveau. Alléluia. Alléluia. Je vois une vent. Oh Rebakarabaeke. J'attends le bruit du vent. Alléluia. J'attends le bruit du vent. Alléluia. Oh Rebakora blesseke. Partagez la vidéo. Rimara senta ya mama beke. Rose karabai koria barabeke ya mama baba. Roblo solto rababaeke. Bruit de vent. J'attends le bruit de vent. Alléluia. Une vent qui va souffler. Père, souffle maintenant. Souffle vent nouveau dans la vie de ton peuple. Souffle vent nouveau dans la vie de ton peuple. Souffle vent nouveau. Oh Rebakarabaeke. Maye karabasenta rosendere bebebebe rekete amana blu karabasenta ya bababa roble kere beseke ribarabasonta rababa ikemelege rubli kamay bulma kamayke blu ya mama yeke. Alléluia. Oh souffle va nouveau, souffle la vie de ton peuple, souffle la vie de ton peuple, souffle maintenant, souffle toi, souffle de la résurrection, Père de gloire. Laisse que les choses qui étaient mortes, laisse que les choses qui étaient noires, la lumière puisse rentrer maintenant. La lumière puisse rentrer maintenant. La vie de ma soeur, la vie de mon frère, même dans son foyer, rien ne marche. Toutes les choses sont ensemble bousculées. Oh, mais, yéme qui a malagé. Oh, rebababa, robla by Koria malagé. Oh, de madame malasanto rababa, robla kaman blumakaya malagé. Alléluia. Père de gloire, les dieux m'ont invité les cellules, les bases, qui est la famille. Partagez la vidéo, ma sœur, partagez la vidéo. Alléluia. Oh, les choses qui ne semblent pas aller. Mon papa, que Dieu vous bénisse, Seigneur, de porter là nos États-Unis. Les révérends placés de mort, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Dans le nom tout puissant de Jésus. Oh, les dieux m'ont invité les cellules, les bases, qui est la famille. Allez maintenant. Là où il y a mes attentes, les malattendus au sein de la famille. Laissez l'esprit de Dieu, l'esprit de la réconciliation pour se réconcilier mari et femme, pour se réconcilier des enfants. Au reba seke ya baba, au ramara seke re bébé, reba kora blima kaya malage, rubla simara blomo koria balage. Dans le nom tout puissant de Jésus, Père de gloire, je sais que le job est menté, le job c'est menté, c'est menté, c'est menté. Il est là pour diviser, pour séparer des familles. Allez, Père de gloire, laisse que l'esprit de la réconciliation. Le diable a visité les cellules, les bases, qui est la famille, pour semer les troubles. Le papa a pris d'autres décisions. Maman a pris d'autres décisions. Et les enfants maintenant sur les papiers. Les enfants maintenant sont de l'angoisse. Alléluia. Le Père de gloire. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Réconcilier maintenant. Laisse que la famille de ma sœur, laisse que le couple de ma sœur, de mon frère, puisse se réconcilier maintenant. Puisse se réconcilier maintenant. Puisse se réconcilier maintenant. Parce que tu me dis dans ta parole, mais le ministère de la réconciliation. Alléluia. Laisse que les familles sont ternies. Les familles sont divisées. Alléluia. Alléluia. Oh, Rebakura, blessinta, yababababa. Rubla, blay, kouria, balagé. Dans le nom tout puissant de Jésus, réconcilier maintenant les familles. Saint-Esprit, merci. Parce que Dieu est en train de faire cette œuvre. Dans le nom de Jésus. Toi qui es malade, je ne sais pas ta maladie. Même si tu as une maladie incurable, fibrome, myome, kyste, hépatite B, le Dieu de la Bible est capable. La main de Dieu n'est pas courte pour nous saisir. La main de Dieu n'est pas courte. Et maintenant, la main de Dieu va te saisir là où tu sens mal. Là, tu as mis ta main droite dans ton poitrine. La belle de Dieu va te saisir maintenant. Si tu es malade, allez, reçois la guérison maintenant. Je n'ai ni or, ni argent. Mais dans le nom de Jésus, avec la puissance de la parole, la belle et la prière de la foi, sauvera les malades. Laisse que tous les malades soient sauvés dans le nom tout puissant de Jésus. Laisse que tous les malades soient guéris maintenant dans le nom tout puissant de Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit. Car tu es tenté de guérir. Oh, toi qui as les blessures intérieures, alléluia. Là où tu es, allez, libère ton cœur maintenant pour pardonner. Libère ton cœur maintenant pour pardonner, alléluia. Tu as blessé, alléluia. Tu as quelqu'un qui t'a gardé dans ton cœur. Tu as dit que non, plus jamais. Dieu me dit de te dire. Dieu me dit de te dire. Alléluia. Alléluia. Ma sœur, Dieu me dit de te dire. Libère la personne.
libère la personne. Tu auras la paix du cœur et tu vas faire des grandes choses avec toi. Aussi longtemps tu vas bloquer ces personnes. Aussi longtemps tu vas dire que non, ce qu'il m'a fait là. Bien-aimé, tu bloques toi-même. Tu te bloques. Allez maintenant. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse libérer ton cœur. Tu vas recevoir la paix du cœur. Tu vas recevoir la paix que tu n'as jamais reçue. Dans le nom de Jésus. 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 Allez, reçois la paix du cœur maintenant. Reçois la paix du cœur maintenant. Dans le nom tout puissant de Jésus. Père, je te prie pour ma sœur. Elle est en train de pleurer. Les médecins ont déclaré son maladie incurable. Mais la Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Dans le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Toute maladie doit confesser réellement Christ est Seigneur. Dans le nom tout puissant de Jésus, laisse que ta maladie maintenant fléchisse au devant du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom tout puissant de Jésus. Toi qui es dans les maladies, tu n'arrives pas à concevoir. Tu as fait des temps, tu n'arrives pas à concevoir. Allez, reçois maintenant. Allez, reçois maintenant. La main de Dieu va te saisir maintenant. Toi, tu as les viponnes, tu as les myomes. Même les docteurs ont dit qu'on va faire l'opération. Tu n'as pas de matrice pour concevoir. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie maintenant. Maintenant, maintenant, d'immédiat, maintenant, dans le nom tout puissant de Jésus. Père, laisse que les miracles puissent rentrer dans la vie de ma sœur. Toi, t'as déclaré impuissant. Allez, maintenant. Laisse que les miracles puissent t'accompagner maintenant. Dans le nom de Jésus. Laisse que mon Dieu puisse vous visiter brutalement maintenant. Partout où vous êtes dans les coins du monde. Que Dieu vous visite maintenant. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as un phénomène mari et femme de nuit. Allez, dans le nom de Jésus. Toi, femme de nuit. Tu as demeuré longtemps dans cette corps, dans cette vie. Allez, quitte cette vie maintenant. Allez, quitte cette vie jusqu'à 3. 1. Femme de nuit. 2. 3. Allez, quitte cette vie maintenant. Allez, libère la vie de mon frère et toi, femme de nuit. Mari de nuit. Libère la vie de ma sœur dans le nom tout puissant de Jésus. À partir de cet âge, j'étais maudit. Cet corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Allez, plie tes bagages maintenant. Allez, plie tes bagages maintenant. Allez, quitte cette vie. Allez, quitte cet corps dans le nom tout puissant de Jésus. Toi qui as des tensions, chaque fois monter, descendre, allez maintenant. Maintenant, est-ce que l'Esprit de Dieu peut se stabiliser maintenant ta vie? Dans le nom tout puissant de Jésus, toi qui as monté des projets, rien ne semble, allez, rien ne marche. Laisse que le Dieu de Dieu puisse te positionner maintenant. Dans le nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Profite Karabaseke. Oh Saint-Esprit, merci. Toi qui as des problèmes, toi qui as des maladies psychosomatiques. Les maladies héréditaires, les maladies chroniques, allez, reçois ta guérison maintenant. Laisse que cet lien puisse être brisé maintenant. Dans le nom tout puissant de Jésus, la loi de la famille puisse tomber maintenant. Les liens qui vous lient avec cette maladie chronique héréditaire puisse tomber maintenant. Puisse fléchir les genoux. Dans le nom tout puissant de Jésus qui est Père, toi qui on t'a prédit de mauvaises choses, dans ta famille, personne ne va voir l'éclair dans sa vie. Ne t'avais personne peut aller de l'avant. Mais avec toi, Dieu fera des exploits. Avec toi, tu iras de l'avant. Avec toi, Dieu va commencer avec toi. Tu iras à côté de toi dans ma famille, il n'y a personne. Mais toi, tu es là. Dieu va commencer à faire avec toi. Mais le nom tout puissant de Jésus. Allez, reçois cela maintenant. Laisse que les miracles puissent t'accompagner maintenant. Mais le nom tout puissant de Jésus. Père, merci. Car tu as accompli ta parole. Chiffre 3. C'est le chiffre de la résurrection. Laisse que toutes les choses qui étaient mortes au sein de ton église, dans la vie de ton peuple, partout dans les coins du monde, laisse que la résurrection, laisse que l'esprit de la résurrection puisse être actif maintenant. Vous êtes actif maintenant. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu m'as promis l'année 2020. C'est l'année des surprises agréables.
Père, comment ça se prend maintenant ton peuple? Comment ça se prend ma sœur Colette? Comment ça se prend ma sœur Vivi Madetta? Comment ça se prend le Père de gloire? Comment ça se prend ton peuple maintenant? Comment ça se prend ton peuple maintenant? Comment ça se prend ton peuple maintenant? Tous les enfants de le Colam, comment ça les s'y prendre maintenant? Comment ça les s'y prendre maintenant? Comment ça les s'y prendre maintenant? Des loués partout sur les coins du monde, les enfants de le Colam, comment ça les s'y prendre maintenant? Dans le nom tout puissant de Jésus, Père, agis. Manifeste-toi. Merci. Car tu agis. Au moins des signes. Pour dire, je me dis, qu'est-ce que témoignage. Dans le nom de Jésus. Ainsi je prie. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. On acclame plus fort pour les rois des rois. On acclame plus fort pour les rois des rois. Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, si tu as quelque chose, bien aimé, en particulier, mon numéro c'est plus 1 4 3 8. 225-1801 plus 1 438-225-1801. Puis m'appeler et Dieu sera au rendez-vous. On va prier. Bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, c'est le dernier jour de la prière. On a clôturé la prière ici. Bien aimé, voici le thème de l'année 2021. Voici le thème de l'année 2021. Dieu m'a soufflé dans l'oreille. 2020, c'était l'année des surprises agréables. Tu as vu comment Dieu t'a surpris dans tous les domaines de ta vie. Dieu a surpris même l'humanité. Quand tu vois les vidéos précédentes, tu vas voir ce que j'ai dit le 31 décembre 2019. C'était l'année des surprises agréables. J'ai dit Dieu va surprendre l'humanité. Dieu a surpris même l'humanité. Dieu a surpris dans tous les clans sociaux du monde. Maintenant, l'année 2021, je proclame et je dis avec force, par action divine, que Dieu m'a confédéré, je proclame l'année 2021, c'est l'année de l'espérance, dans les noms tout puissants de Jésus, rentre dans la 2021, voici l'année 2021 ouverte, voici l'année 2021, Vivadetta, voici l'année 2021, Colette Enza, voici l'année 2021, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus, la porte est grandement ouverte, on va rentrer dans l'année 2021, on va espérer les choses que Dieu va faire avec nous, c'est l'année de l'espérance. C'est l'année de l'espérance. 2021, retiens cela, retenez cela. 2021, c'est l'année de l'espérance. Alléluia. Et à partir du 15 janvier, je vais décortiquer cela pour dédier l'année entre les mains du Seigneur et Dieu sera au rendez-vous. Je profite pour l'occasion. Bonne fête de l'année qui est en train d'achever. Bonne année à tous dans le, partout où vous êtes dans le coin du monde, en particulier tous les peuples de l'Église, cité de l'Éternel, peuple de la réforme au Mali, que Dieu vous bénisse, Béjé Patrice, que Dieu vous bénisse, mon papa, que Dieu vous bénisse, pasteur, les révérends Placide Mouandé des États-Unis, que Dieu vous bénisse, bonne année à vous, bonne année à tous les peuples de Dieu qui veulent me suivre dans la rédiffusion partout des coins du monde. Bien-aimé, allez aussi dans notre compte YouTube pour s'abonner à Mission Globale de la Réformation. On est là aussi en direct. Il va prendre des nouvelles de l'Église et Dieu sera au rendez-vous. Et Dieu sera au rendez-vous. Nous sommes sur YouTube et Instagram en direct. Partagez la vidéo massivement, ma sœur Colette Nzaou, ma sœur Fimandetta. Merci parce que vous étiez là, mon passage jour. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Si Christ ne retourne pas, on sera là le 15. Parce que l'année 2021, c'est l'année de l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Bye.